Africains et africaines, bonjour. Fils et filles du berceau de l'humanité, je te présente mes respects. Nous savons que nos ancêtres enseignaient l'histoire, enseignaient les épopées à travers un discours oratoire très élaboré. À travers les contes, ils enseignaient. Ils enseignaient l'histoire, ils enseignaient les sciences naturelles, ils enseignaient le civisme. Ils enseignaient l'art de se comporter en société. Je vais vous raconter une histoire, parce que je suis descendante d'un peuple qui est de tradition orale. C'est l'histoire de la chauve-souris. La chauve-souris, cette chauve-souris-là, n'aimait pas son état d'être. Elle n'aimait pas être une chauve-souris. Elle était pas fière d'être une chauve-souris. Elle avait horreur d'être une chauve-souris. Un jour, qu'elle est allée faire les courses, enfin un jour, c'est-à-dire la nuit, puisque la chauve-souris elle vit la nuit, elle allait faire les commissions avec ses parents et la nature leur a envoyé un message. Or, nous savons que la nature, elle parle. La nature nous enseigne. La nature, elle est notre météo. Nos ancêtres le savaient. Ils savaient que en fonction du bruit dans les feuilles, en fonction du chant du grillon, en fonction de la couleur du ciel au lever du soleil, il y allait avoir une année de sécheresse, il y allait avoir la famine, il y allait avoir l'abondance, etc., etc. Les animaux aussi, ils perçoivent les signes de la nature. Si nous savons interpréter les signes de la nature, nous allons prévoir beaucoup de choses. Nos ancêtres, ils savaient interpréter la nature et ils enseignaient à leurs enfants. Donc, notre chauve-souris, elle a su qu'il y allait avoir une catastrophe. Et la consigne, quand ils sont rentrés dans leur caverne, la consigne, c'était que personne ne devait sortir sous aucun prétexte. Ce jour-là, il y a eu une forte tempête, une tornade, une fin du monde. Les gouttes d'eau étaient grosses comme des morceaux de cailloux. Il y avait la grêle aussi. C'était vraiment la débandade dans la forêt. Notre chauve-souris, elle a profité de ce chaos-là, elle a profité de cette cacophonie orchestrée par la nature, qu'il sait ce qu'elle fait. La nature n'envoie jamais rien par hasard. Tant qu'il n'y a pas l'intervention de l'humain, la nature, tout ce qu'elle fait est correct. La chauve-souris a profité de ça, elle a fui. Parce qu'elle ne voulait pas être une chauve-souris, elle ne voulait pas vivre dans un environnement de chauve-souris. Elle est allée dans une grotte. Quelques jours plus tard, elle allait rencontrer le hibou. Elle lui a dit qu'elle voulait être sa parente. Le hibou a dit, mais moi je suis une chauve-souris, je ne suis pas une chauve-souris. Oui, mais tu sais, on vole tous là. Oui, tu voles comme moi, mais non, tu n'es pas un hibou. Mais quand même, je peux être ta cousine. Donne-moi quelque chose qui va te permettre de me reconnaître quand je vais passer dans la forêt. OK. Le hibou a enlevé quelques plumes qu'il a données à la chauve-souris. Elle les a collées sur une partie de son corps. Elle allait voir la chouette, elle allait voir le chat-huant, elle allait voir certains animaux nocturnes. Et chacun lui a donné quelque chose qui l'identifiait lui. Elle était fière maintenant parce qu'elle ressemblait de moins en moins à une chauve-souris, parce que la chauve-souris n'était pas fière d'être une chauve-souris. Or, elle était une chauve-souris et rien ne pouvait changer cela. Un jour, la chauve-souris est tombée très malade. Et la nature a réussi à donner l'information à ses parents qu'elle s'était fait. Le hibou est venu la voir. Il a regardé. Il dit, non, non, je ne me reconnais pas. Je ne la reconnais pas comme étant mon parent parce que la chauve-souris était venue me voir. Je lui ai donné quelques plumes, mais là, je vois d'autres choses. Non, c'est pas, elle n'est pas, elle fait pas partie de ma famille. Le chat est venu. La chouette est venue. Tous les animaux qu'elle avait vus, de qui elle avait pris un signe identitaire. Ils sont venus, mais aucun ne l'a reconnu. Et la chauve-souris est morte seule, loin de sa famille biologique, loin de sa famille à laquelle elle était capable et facilement de s'identifier. Mais elle est morte seule, parce que ceux à qui elle voulait ressembler ne l'ont pas reconnue comme faisant partie de leur communauté à eux. Nous sommes Africains. Que nous le voulions ou non, nous sommes Africains. La couleur de notre peau fait de nous des Africains. L'endroit de notre pays qui se trouve sur le continent africain fait de nous des Africains. Nous savons très bien qui a fait les frontières à notre insu, qui a créé des pays. Nous savons qui
Mais nous sommes africains. Même si nous avons des citoyennetés différentes aujourd'hui, nous sommes africains et nous nous reconnaissons entre africains. Les enfants que nous mettons au monde aujourd'hui sont les africains de demain. Que les africains de demain ne soient pas des chauves-souris. Le lionceau, quand il naît, il n'est pas lion, il est lionceau. Il devient lion parce que son père lion lui apprend comment on devient lion. On est lion quand on rugit, on est lion quand on a une crinière, on est lion quand on est capable d'aller chasser une antilope, une biche, on est lion quand on sait marcher dans la forêt sans que la proie le nous entende, on est lion quand on sait marcher contre le vent pour ne pas que la proie sente notre approche. C'est ça être lion. C'est ça qui identifie, c'est ça qui fait qu'on dit voilà un lion. Crinière, rugissement, fierté avec la crinière qu'il est capable de balancer devant les autres animaux. Soyons des lions, fiers d'être des lions. Ne soyons pas des chauves-souris. Parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on transforme dans notre physique, on va toujours être des Africains. La chauve-souris, elle a tout fait, mais elle était une chauve-souris. Les autres à qui elle voulait ressembler ne se sont pas reconnus en elle. Donc ceux à qui nous allons vouloir ressembler, en changeant certaines affaires, ils ne se reconnaîtront jamais à nous parce que nous ne sommes pas eux. Parce que nous ne sommes pas intrinsèquement des gens qui font partie de leur communauté. Aujourd'hui, l'humanité, c'est un monde. La Terre, c'est devenu un monde, un village planétaire. On peut aller d'un bout à l'autre. C'est correct. Mais notre africanité, on doit en être fier. On doit l'arborer partout. Et rejeter tout ce qui fait nous, va pas faire de nous quelqu'un d'autre. Même si nos enfants, ils font des enfants avec d'autres Africaines qu'ils rencontrent ici dans les pays où, je sais pas moi, à Cologne, à Hambourg, en Slovénie, au Kurdistan, n'importe où, ils vont avoir les mêmes gènes, ils vont être noirs. On va toujours leur demander, tu viens d'où? Même si l'enfant ne sait même pas, il connaît même pas le chemin pour aller au Burundi, pour aller au Botswana, mais on va le considérer comme un Africain parce qu'il est Africain. C'est à nous, parents, aujourd'hui, de donner cette fierté-là à nos enfants pour que demain, ils puissent avoir la tête haute. Parce que celui qui est fier de ses origines, celui qui est fier d'où il vient, qui l'affirme et puis qui le revendique, il parle la tête haute. Mais on éduque nos enfants avec respect. On leur apprend à respecter l'autre. C'est ça, être Africain. Respecter l'autre. Ne soyons pas des chauves-souris. Enseignons à nos enfants à être fiers de ce qu'ils sont. Parce que tout changement ne changera rien. Notre peau, c'est notre pièce d'identité. C'est ça qui nous identifie comme étant originaires de ce continent-là. Nous sommes originaires du continent qui est le berceau de l'humanité. Pourquoi allons-nous marcher la tête basse? Pourquoi allons-nous raser les murs? Non, il faut qu'on s'assume. Mais c'est nous, parents, comme le lion fait avec le lionceau, qui allons enseigner à nos enfants cet amour, cette fierté d'être ce qu'ils sont. Mais il faut d'abord que nous soyons fiers d'être ce que nous sommes. Je vous invite, je vous invite à être fiers de vous, à être fiers de ce que vous êtes. C'est seulement à ce prix-là que les autres vont nous respecter. Ensuite, la solidarité. C'est vrai, nous avons grandi en allant chacun dans sa direction parce qu'on a fait des frontières. Mais on peut changer la donne. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Nous avons cette responsabilité-là aujourd'hui de créer les enfants de demain en leur enseignant ça. En leur enseignant ça. On est capable. Ne soyons pas des chauves-souris. Soyons fiers d'être ce que nous sommes. La chauve-souris qui allait demander au hibou à vouloir lui ressembler, le hibou, lui, il était hibou. C'est pourquoi la chauve-souris a su qu'il est hibou. Alors, reste ce que tu es. Sois fier de ce que tu es. Et demain, va te sourire. Je vous exhorte, Africains, tenons-nous les mains dans les mains. C'est vrai, il y a eu des divisions et tout ça, comme partout ailleurs. Tous les êtres de la planète, ils ont eu des divisions. Mais à un moment donné, on se prend la main, on se prend main dans la main pour aller vers l'avant et construire un monde nouveau. Laissons à nos enfants une Afrique forte. On peut aujourd'hui, commençons dès aujourd'hui. L'Afrique de demain, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui et c'est nous qui avons cette responsabilité-là de la transférer, de la léguer à nos enfants. On est ensemble. L'Afrique, c'est notre terre, c'est notre mère.
Merci.